Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller. On continue l'aventure du jeu. Broken Age, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Initiation du moteur, transcription. Vitesse de rotation du fuseau atteinte. Déploiement de navette dans 5, 4, 3, 2, 1. Téléconducteur activé. Fais le conducteur en pause. Hein, en pause? Ouais, c'est étrange, le système de navigation est prêt, mais le moteur semble bloqué. Bloqué par quoi? Par la mère du jeune maître. Quoi? Au fait, tu es qui? C'est une longue histoire. On a le temps, on va nulle part. C'est ce qu'on va voir. Alex would kill me if I messed with that up. I don't think that would help this little guy. Try this pattern. I see. Thank you.
all the wire I have. That looks mostly right. Oh, plus ou moins, j'espère que l'ordre sera bonne. Faut marcher ou quoi? He's got more wires now. I see. I don't think that would help this little guy. All my wire. And that's all the wire I have. Let's try this path. Well, heck, if only I were on my old ship. Then I could look for the info I need to fix this. That would help this little guy. My wire. At least he's got more wires now. Pourquoi cette histoire nous trouve enfin de sortie? Le robot pilote dit que... Chut! Qu'est-ce que c'est? Marika inspecte le système de navigation du vaisseau à la recherche de possibilités. Toute manœuvre de navigation serait immédiatement repérée. Mais après son inspection, il va devoir sortir du vaisseau pour examiner l'extérieur. Ce sera le moment de décoller sans qu'il puisse nous empêcher. Vous êtes une maline. Je suis content de vous avoir de mon côté. Okay. Vide, 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 plein vide. Ça doit qu'est-ce qu'on peut. Je vais prendre une photo de ça. Yeah, it helps me remember. He wasn't always a teenager.
Can you fix him, Spoon? Stay on alert. Stay on alert. I think there might... Donc. Si je fais ça. Ça. On va faire ça de même. Puis comme ça. Now, I'm out of wire. Je le prends, je le mets là. I see. Qu'est-ce qui va changer si j'en souhaite juste un? That's all the wire I have. How does this strange device? I don't know if my wiring helped. Les bons signes. Là, je coupe ça, je mets lui à lui. At least he's got more wires now. Ok. Ça, c'est bon, mais pas l'autre. Donc, je prends lui et je le mets là. Ça, c'est pas bon. Et ça, c'est... Les deux sont pas bons. This strange device work. Stay on alert. I can't even want to tell these people that I've seen their daughter. I'm not ready to answer all the questions, though, surely. Comment ça? Si je prends ça et je le mets là. Wiring helped. Huh, if only I were on my old ship. Then I could look for the info I need to fix this. Non, y'a rien qui est bon. Lui va là. Here goes nothing. Non. What's the shot? Here goes nothing. Stay on alert. I think there might be food around. What's the shot? Okay. I see. If only I were on my old ship. Pas loin. C'est pas ça. Je mets ça là. Here goes nothing. C'est encore un triangle à l'envers. Ah, c'est bon, ok. If only I were on my old ship. Pas que ça. Donc, je coupe ça. Ça. Là. I don't know if my wiring helped. Non. Là.
the shot. Je pense que ce serait peut-être ça. Il est pas vide le deuxième, mais c'est mieux que rien. Bon. Après ça, ce serait. On va mettre ça là. Ouais. Peut-être c'est ça. Il y a de l'avoir des vides et des pleins, ça marche pas. Comment qu'il doit être vide et plein? C'est ça l'affaire. Oh, je l'ai eu! Mais pourquoi pas? Ta-ta-ta! T'es en vie, mon petit. Je suis content de te retrouver. Bon, je donne. Hey, pense-tu ce petit, je crois qu'il peut nous aider. Regarde le fer, il est en feu. Il connaît l'électronique, c'est génial, c'est exactement ce qu'on avait besoin. Exact, on s'occupe même des vitres. Bon, je n'ai pu tout comater, mais les zones d'habitation principales devraient pouvoir tenir. Dans ce cas, le vaisseau est fin prêt à s'envoler pour LaRune, et vous deux? Je suis prêt. Allons-y. Bien, c'est parti! Stop, vous n'irez nulle part. Qui êtes-vous? La famille de Velay, nous avons de nombreuses raisons. Nous avons finalement découvert... Quand Maud Chatter a mangé ma sœur, il l'a recraché. S'il te plaît, dis-nous où se trouve notre fille. Elle se trouve au-delà du barrage près d'Ide et nous partons tous à sa poursuite. Qui est ça, nous? Apparemment, nous tous ici. J'avais déjà initié le lancement. Mais ravi de faire votre connaissance, en tout, je suis un ami de votre fille. Mark Chatra. Clarence, le dieu Bong, s'est vraiment réveillé. Il a libéré toute une partie de la plage pour de nouveaux projets immobiliers. Pas une si mauvaise journée que ça, au final. T'arrives juste à temps, America est sur le point de quitter le vaisseau. Là, le voilà! Est-ce que tout est en place? J'ai préparé le gâteau et je l'ai enfourné. Parfait, alors filons d'ici. Merci d'avoir compris ma référence. Fil conducteur activé. Je suis vivant. Je suis désinhibé. Je suis magnifique. Boom. Je n'arrive pas à croire que ça a marché. Moi aussi. Quelque chose me dit qu'on est arrivé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Klaxon? Hey, ici le vaisseau spa aérien Maluruna. Demandez admission.
fait un bail que je suis pas venu ici. Est-ce que vous pourriez juste ouvrir la porte? Non, rien. Regarde-moi ça. Oui. Une seconde, qu'est-ce que c'est, papa? C'est notre vaisseau. Tu crois que maman est à bord? Accrochez-vous. Tu l'as percuté. Oh non, pilotage automatique. Mais puisqu'on est si proche, je peux plus déplier la passerelle pour que tu ailles leur dire bonjour. Elle est beaucoup trop courte. Quoi, tu as peur du petit saut? Ah, il lui tire dessus. Vite, recule, laisse s'écarter. Je répète, pilotage automatique, fais quelque chose. Que tout le monde se taise, il faut que je réfléchisse. Pourquoi ils nous tirent dessus? Je crois que c'était chez toi. Alors, je suis sûr que c'est un cripocro. Ça fait 300 ans que je suis parti, ça. Ça me comprend, non? Dès que j'aurai trouvé les fréquences d'appel, je leur dirai que je suis et nous t'y nourrirons tous. J'espère bien, Alex. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Je crois que ce vaisseau appartient à mon Alex. Mon ami Alex. Je ne reviens pas qu'il ait réussi à le remettre en marche. Eh bien, contourne-le, on se fait tirer dessus. Je me demande pas mieux, Capitaine Volta, mais comme vous savez, quand l'itinéraire est tissé, le vaisseau suit uniquement le fil. Je peux rien faire. On va se faire désintégrer. Les boucliers du vaisseau vont assurer la survie, c'est sûr. La vache, c'est dur à dire, assurer ça, c'est la survie, c'est sûr. Il n'y a pas de bouclier. On a jeté le nucléorbe par le viseur du Spartan. Quel protocole impose l'invocation d'une note? Il n'y a pas de protocole pour cette situation. On est en territoire inconnu. Mon conseil, c'est que vous détendez et de profiter du voyage. Tout ce que je demande, c'est de faire un petit crochet de quelques centaines de mètres d'un côté. Même si j'en avais le pouvoir, capitaine, ce genre d'approximation de cap nous met sur une pente dangereuse. Je suis à deux doigts de descendre et débrancher. Vous pourrez m'effilocher comme un pull, ça ne changera pas votre cap d'un idiota. La nave écharpe a été déployée. Mais je peux prendre les commandes manuelles du vaisseau, pas quand je suis en commande d'une carte stellaire. C'est ridicule. Ce n'est pas moi qui fixe les règles. Qui ça alors? Les règles étaient là avant vous et moi, et il ne nous appartient pas de les remettre en question. C'est mon ami Alex qui pilote l'autre vaisseau. Il vient de Butte au coquillage. Ah oui, bien, il nous bloque le passage. Dans une nouvelle, Shay était à la Butte au coquillage. S'il a rencontré Alex, il pourrait très bien être dans ce vaisseau. Votre mari aussi, d'ailleurs. En tout cas, si on veut s'en tirer vivant, il faut s'éloigner de ce rempart. On ne peut pas le contourner. Tant que le vaisseau suit le chemin prévu par la TIS Espace, c'est lui qui contrôle protocolairement. C'est comme s'il était... Il refuse, en tout cas. Mais pour contourner, il faut trouver une solution. Ou on sait que l'autre vaisseau a le même problème de navigation. Sans doute, ça sent là aussi. On ne peut pas juste les écarter. C'est ce qu'on essaie de faire, mais eux aussi. Un bouchon en mode. Vous devriez sortir du vaisseau, c'est moi qui veux. Tu crois qu'ils vont me laisser partir? J'en ai trop vu. Je n'ai qu'à aller nulle part. Je vais tenter de trouver une solution. D'accord, moi j'essaie toujours de faire attendre la raison à ce gars-là. Comme si vous allez avancer en m'insultant. This door must have jammed shut in the collision.
Misa, ma chérie, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu t'es fait subir? On dirait que tu as perdu tous tes branchements. Pauvre petite crotte. Reste avec moi, je vais arranger ça. Et quand tu penses avoir terminé avec eux, un nouveau se pointe le bout de la tentacule. Il ne me reste plus qu'à éliminer ces deux-là avant qu'ils se reproduisent. Je ne peux rien y faire. Ça va se faire désintégrer. C'est toi qui pilotes les vaisseaux, non? Tu peux nous tirer de là? Je suis que la tisserie du trajet, c'est le vaisseau qui contrôle lui-même. Tu ne peux pas dévier l'étalement d'un poids, c'est ça où on meurt. C'est malin, tu m'as rendu anxieux, on est bien avancé. Je me demande, est-ce que nous s'en sortirions? Comment ça encore? Je veux dire, pour la dernière fois, est-ce que ça changerait le cas? Non, l'écharpe a déjà été introduite dans le système de navigation. Elle ne changera pas de point de croix tant que ça ne verra pas la destination. Mais ne touche pas, c'est un élément très sensible du système. Pardon, quel protocole impose? Il n'y a pas de protocole pour cette situation. Bon. Là, il y a des débris. Et celle-ci n'a plus l'air d'ouvrir non plus. Celle-ci n'a plus l'air d'ouvrir non plus. Non. Pas de l'avoir de fil. Il n'y a pas de tout l'air sûr. Arrête un peu de jouer la pleureuse, Mark Chacha. Une sorte de jeu vidéo. Il y a un fil là. La carte pourrait peut-être me servir si j'avais besoin de réparer quelque chose. Ok, où es-tu? Qu'est-ce qui provoque cette explosion? Pardon, mauvais numéro. Comment bien j'éteins ça? Comment j'éteins ça? Toi, qu'est-ce qui est arrivé à America? Il n'est pas encore atterri. Espèce d'abomination violente. Je commence à comprendre pourquoi America est appréciée autant. Arrêtez de nous tirer dessus et laissez-nous partir. Et puis nous avons toujours besoin de toi, Vela. Besoin de moi pourquoi? Pour redresser la formation de notre lignée. Redresser la formation, c'est aussi flippant que je pense. Voilà des siècles que nous entretenons et disciplinons notre lignée pour en éliminer les impuretés. Et nous avons construit le barrage Prudit pour les garder définitivement à l'écart. Il apparaît que certaines de ces impuretés étaient nécessaires.
En d'autres termes, notre raffinement nous a rendus quelque peu délicats. La maison en cristal a faim que nous nous sommes en... quand même besoin de pierres pour ses fondations. C'est là que tu interviens. Il faut... il vous faut quoi? Un échantillon de mon sang? Ah ben là, ce n'est pas une simple affaire de chromosomes. Si c'était le cas, nous aurions pu le synthétiser, non? Il nous faut l'ensemble. Ton environnement, ton psychisme, ton essence même. Ton essence même, notre traitement extrait tout ça. J'ai l'impression que vous voulez me passer au mixeur. Le processus en conversion met fin à toute courte première vie, mais il te confère l'immortalité à travers celle des futurs Loruniens. Rose. Ben, pourquoi vous êtes-vous servi du garçon? Parce que même les plus sages ministres de notre lignée ne peuvent pas distinguer la combinaison de pureté précise qui nous rendra entiers. Mais un jeune homme à un certain âge, élevé en dehors de l'Eurona, en est instinctivement capable. L'aventure de Reus, la conquête, le fantasme, l'enfance sont sacrés à nos yeux. Je savais que j'étais le regret de vous parler. Qu'est-ce que Shay va devenir? Il devait devenir la Loruna où il a été traité en tant que héros pour le restant de ses jours. Mais quand tu l'as battu son vaisseau, et tu l'as condamné. Maintenant, il en a trop vu. Pourquoi faire croire que ces vaisseaux sont dans l'espace? En découvrant les terres désolées, plusieurs de nos premiers couples parentaux ont succombé à leurs attraits et se sont installés définitivement. À toute évidence, leur effroyable panorama les a rendus fous, du coup, nous les protégeons. Votre système est immonde, égoïste et nuisible. Et vous n'en avez même pas besoin. Démolissez ce barrage putride et construisez un pan qui enjambe cette gorge. Laissez les gens interagir naturellement. Je te trouverais charmant de naïveté et ce que tu disais n'était pas si horrible et répugnant. Si vous êtes si faible et fragile, on devrait se rebeller contre vous. Nous vous avons élevé quand la combativité, il y a bien longtemps, n'est-ce pas, Xelevina? Allez, qu'on en finisse. Levina? Vous m'excuserez, il faut que j'aille mettre fin à vos agissements. Tu ne pourras jamais... Mais celle-ci n'a plus l'air d'ouvrir non plus. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu. Broken Edge, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!